Coucou tout le monde et bienvenue au corrigé de la dictée numéro 5, soit celle qui met en valeur le beau Sébastien. Ça y va comme suit. Dès les premiers jours suivant son arrivée au collège, ça veut dire à partir des premiers jours, ça prend donc un accent. Les premiers jours, tout ça, c'est pluriel à cause du lait. Je vais donc ajouter un S. Suivant, c'est un participe passé. Les premiers jours suivant son arrivée. Suivant quoi? Suivant qui? Qu'est-ce qui suit? Tout ça, on ne le sait pas. Fait que ça prend un T. Son arrivée, c'est son arrivée à lui. Ce n'est pas le verbe, donc je n'ai pas besoin d'ajouter un T. On dit une arrivée. C'est féminin, singulier. Fait que j'ajoute un E. Au collège. Notre école, c'est comme si c'était un nom propre écrit comme ça. Je mets donc une majuscule. Sébastien avait fait, ça se dit, fait que j'ai pas besoin d'un accent. Avait fait, c'est il a fait. Je termine avec un T. Le choix, même si c'est un choix, ça prend un X. Si vous êtes pas sûr, gênez-vous pas pour le chercher dans le dictionnaire, le dictionary. Il avait fait le choix de vendre. Je termine avec ER. Au maximum, sa persévérance. C'est la persévérance à Sébastien. J'aurais pu dire au maximum ma persévérance, fait que c'est avec un S. Persévérance, est-ce que ça prend un A, un E? Cherchez-le, n'hésitez pas. En effet, il n'a pas vendu. Ça se termine avec un « et ». Puis, c'est un participe passé employé avec « avoir ». Il n'a pas hésité qui, il n'a pas hésité quoi. À poser, c'est après. Fait que j'ai pas besoin de l'accorder. Il n'a pas hésité, avait posé, ça se dit pas. Je mets donc un accent. Il n'a pas hésité à vendre. Ça se termine avec « er ». Des questions. J'en ai plusieurs à cause du « des ». Fait que c'est sûr, j'ai besoin d'ajouter un « s ». Avec ses enseignants, ça se dit pas. Je mets un accent. On parle de ses enseignants à lui. Quand c'est à lui, c'est avec un S. Il y a plusieurs enseignants. Fait que je vais ajouter un S à enseignant. Puis ici, si vous n'êtes pas sûr si c'est un E ou un A, encore une fois, soyez pas gêné d'utiliser votre dictionnaire. Et à lui demander. Moi, j'utilise le lui. Puis si je peux le remplacer, bien, le leur, c'est tout le temps L-E-U-R. J'ai pas besoin d'ajouter un S. Le A, ici, il n'a pas hésité à poser des questions à ses enseignants et avait leur demandé. Ça se dit pas. J'ai besoin d'un accent. À leur vendre, E-R, s'ils pouvaient passer du temps avec eux. S'ils pouvaient, on parle ici du « il » qui remplace Sébastien. C'est singulier, ça se termine avec un « t ». S'ils pouvaient vendre du temps, avec « er », du temps, le temps, ça s'écrit tout le temps avec un « s », c'est important de ne pas l'oublier, avec eux, sans plusieurs parce que c'est plusieurs enseignants, « eux ». En dehors, si vous n'êtes pas sûr, est-ce que ça prend un trait d'union ou pas, cherchez-le. Des cours. Des cours, j'en ai plusieurs, c'est pluriel. Pour vendre, réviser ER. Puis si vous ne savez pas s'il y a un petit accent ou pas, dictionnaire. Et se faire, c'est devant un verbe. Puis je ne peux pas dire et se la faire expliquer. Fait que c'est avec un S. Se faire vendre, ER. Avait nouveau, ça ne se dit pas. Fait que j'ai besoin d'un accent. À nouveau, les concepts. Des concepts, j'en ai plusieurs à cause du lait. Fait que j'ai besoin d'ajouter un S. Qui avait été vu? Qu'est-ce qui avait été vu? C'est les concepts. Fait que tout ça, c'est au pluriel. Fait que le avait, ça se termine avec ENT. Été vu. Flou! Parce que ça, c'est un participe passé employé avec avoir. Avait été vu quoi? Les concepts, fac, avec un S.
En classe. Bon, puis là, j'ai juste une classe. C'est donc dire que ça reste comme ça. Grâce avait sa détermination, ça se dit pas. Fait que je prends le temps de mettre un accent. Sa détermination, c'est, on parle de sa détermination à lui. Et vu que c'est à lui, c'est S-A. Détermination, si vous n'êtes pas sûr de cette partie-là, gênez-vous pas pour le chercher. Il a su, participe passé employé avec avoir. Il a su quoi? Se tasser, c'est après. Je ne l'accorde pas. Il a su se vendre, ER, puis se tailler, tailler c'est un verbe, ça veut dire que le se, c'est SE. Une place de choix. Choix, ça s'écrit comme ça, même si c'est tout le temps singulier. Dans le cœur, c'est important de ne pas oublier le OE. Des enseignants, les enseignants, il y en a plusieurs, j'ajoute un S. Et dans le palmarès, bon, ça, hein, dictionnaire, dictionary, le palmarès des élèves, j'ai plusieurs élèves, je prends le temps d'ajouter un S. Les plus déterminés, j'ai plusieurs élèves déterminés, c'est au pluriel, de l'école. En troisième secondaire, un peu comme dans une dictée précédente, c'est le troisième secondaire, fait que j'ai pas besoin d'ajouter de S. Il était, ça c'est Sébastien, c'est singulier, ça se termine avec AIT. Il était peut-être, quand c'est peut-être comme, oh, je sais pas trop, ça prend un accent. Plus silencieux, même si c'est juste Sébastien qui est silencieux, ça prend un X, si vous n'êtes pas sûr, cherchez-le dans le dictionnaire. Et plus discret, bon, moi je fais partie des personnes, je me demande tout le temps, ça prend-tu un accent ou pas? Ben, je le cherche. Qu'aujourd'hui, si on n'est pas sûr, on le cherche aussi. Des fois, cette partie-là aussi, ça nous pose problème. Or, il était. Qu'est-ce qui était? C'est le il. Ça se termine par AIT. Tout de même. Le tout ici, il n'est pas pluriel, il est pas, il remplace pas quelqu'un. Fait que c'est T ou UT. De même, un modèle. Le E-A-I, ça prend-tu un L? Cherchez-le si vous n'êtes pas sûr. De persévérance. Persévérance, est-ce que c'est un A, un E? Pas de trouble, on a le dictionnaire. Et d'assiduité. Hein? Ça, si vous ne l'avez pas cherché, tard binouche, vous êtes une machine. Puis assiduité, ça ne prend jamais de E, c'est comme beauté. Ça se termine donc par E. Au travail. Je laisse comme ça parce que. Quand c'est travail écrit avec LLE, c'est je travaille, il travaille, mais là on parle au travail, un travail, fait que c'est AIL. Pour tous ceux, c'est au pluriel, je mets un S, ceux qui l'entouraient, qu'est-ce qui l'entourait? Tous ceux, c'est pluriel, je vais donc terminer avec AIENT. Et voilà, c'est fait pour la dictée. Beau boulot, puis à cette heure, OK, bye bye.